Bon, mais en plus les packagings sont tellement originaux que vous ne pouvez pas ressortir de la boutique sans des sacs remplis de bougies. Si on revient justement à San Francisco, ça c'est une marque, Arne Nichols, qui a été confectionnée juste de l'autre côté du Golden Bridge. Oui, voilà, c'est une marque locale. Et c'est une bougie très différente. C'est des dessins qui sont un peu enfantins, amusants. Celui-là, c'est du Golden Gate Bridge. Alors, il y en a beaucoup de touristes qui viennent, qui aimeraient voir quelque chose qui représente San Francisco. Mais oui, à ramener un petit cadeau. Voilà. Alors, cette bougie-là, ça fait l'affaire souvent. Claude, que tu m'as préparé une bougie pour moi, crisp champagne, crisp parce que champagne. Je viens de cette région. Ah oui, ok, d'accord. Alors, où sont faites ces bougies? Oui, ces bougies sont faites à Californie. En Californie et, aussi, oui, d'accord. Et cette marque, Voluspa, c'est très populaire aux États-Unis aujourd'hui. C'est encore un très raisonnable prix, $27 pour cette bougie-là. Ça dure 100 heures et c'est un cire qui est différent des autres. C'est fait à des abricots et des, comment on dit, coconut en français. Et de la noix de coco. De noix la de cire coco. D'abricot et noix de coco. Voilà, voilà. Alors, très bien. On a une marque ici de Californie, ça s'appelle Aquies. C'est origine de Santa Barbara. Okay. Et c'est une bougie qui a très raisonnable prix, bonne odeur. C'est très populaire ici. Et ça brûle. Le packaging est sobre. De 100 heures, c'est fait du soy wax. Alors, c'est complètement naturel. D'accord. Il y a beaucoup de monde qui cherche des choses naturelles aujourd'hui. Alors, c'est une marque très populaire. Oui, tout ce qui est bio est vraiment important aussi, hein, à San Francisco. Les produits bio, la fraîcheur, l'origine. Absolument. C'est quelque chose qu'on peut remarquer un peu partout. Dans cet esprit, finalement, bohème, c'est un peu chic aussi. Exactement, oui.